Des couillons, lui! Quand je t'entraîne avec l'île! C'est quoi ce bordel? Bon, c'est quoi ce capitaine américain là? Je regarde. Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour ce premier match de Ligue 1 Conforama de la saison. Comme ça qu'il faut dire, je vais avoir le plaisir de commenter ça avec vous. Oui, et une nouvelle saison, et on va voir. Allez, Pierre Bénès! Voyons ce que ça donne, Lille. Ah, mais Captain Marvel! Oh là 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 là! Alors, nous sommes partis du PSG parce que. Un peu trop fort. Là, normalement, on a dû mettre ultime, normalement, si je veux. Allez, les relais! Captain légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un Captain 2, disons, plus classique. Le ballon est parti très loin, c'est dégagé. Le nouvel attaquant qui va faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. Laissez-moi tranquille, je suis le chez Céline quand même. Le chez Céline, c'est juste ça. Ah, j'ai quand même laissé Messi au PSG quand même. Quand je l'ai rencontré, je crois que je compte Messi. Oui, il y a un jeu, c'est ce que de l'autre côté, il y a un jeu. Bon, pas but de la tête. Putain. Ouh, la frappe de 50 km. Et balidon. S'en fout des histoires. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, la France, de toute façon, elles vont déjà qualifiées, donc c'est pas les couilles. Ah non, si j'avais réussi à faire passer au milieu, c'était une erreur. Ah non, pas une erreur, c'était une erreur. Ah, pas mal, avec les. Pas mal, flash en fou à la mi-temps. On finit ce. Oh, fouillette, hein. Va fouillette. Imagine, je marque. Oh, c'était pas loin, c'était pas loin. Tu l'as, tu Marvel. Je cherche à jouer juste après le match. Si je le trouve, bien sûr. Pause, faut écrire le mot de passe à l'ordinateur. Sinon, il s'allume beaucoup moins bien. Je l'avais. Je le tari. Il y a faute de survitre. On tacle pas, on tacle pas, on est loyal. La joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. Sarre.
Et où là? Oh, des limites du terrain. Oh, geste barrière. Bien joué, Salamier. Hein. Ah, mais j'ai un carton jaune. Ah ouais. Plus qu'un. Oula, il s'est pris pour Pyram. Pas qu'ils en plus. Allez, Colis. C'est pas les dribbles. T'es pas Bebeto Carlos, quoi. C'est pas le Chepeto, hein. Oui. Je n'ai pas fait une frappe. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. J'ai pas fait un tir, j'ai rien foutu du match. Quelle rentrée en matière en Ligue 1 de l'équipe lilloise. Mais t'as 40ème minute. C'est quoi ça? Flash info. Faut que je trouve. Je regarde après, merde. André, André la boutique. C'est quoi dans le lieu? Comme il... Quoi? Vous n'avez pas la balle? Pardon, monsieur l'arbitre? Mais j'en fous, je pars. Bon, je pars pas. Je vais faire une erreur, moi je vais prendre la vie. Il y a faute, club sur un but, il y a faute. S'en fout, de toute façon, pour pas les pénalties. Un changement a été demandé, a priori, parce qu'on va prochain arrêt. Oh, j'ai fait le calme. Ouh, je l'ai vu dedans, moi. Elle serait magnifique. C'est un changement à l'instant. Non, ça va, je peux pas te faire un temps. Francesco Bonjour. Meunier, tu dors. Double frappe. Ah, dommage. Oui, si je fais tout le match comme ça, ils vont me limoger l'OGC Vernier. Oh oui, oui, le moi le tout le corps. Avec de la bonne merlaise. Eh ben j'arrive pas. Pas de péché. Pas de cheater.
Bourigeau. Il s'est marré. Bourigeau. Et moi, je suis Bourigeau. L'arbitre va sévir, à mon ami. C'est donc un carton jaune. Oula, attends, l'arbitre à la gueule, c'est facile. Il abuse, monsieur l'abuse. Monsieur l'abuse. T'abuses. Il va sûrement tenter d'envoyer le ballon dans la surface. Maintenant, il mettra définitivement à l'abri. Il va partir en contre, attention. Pourquoi j'ai fait face là? L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer. Oh super! Super! La voie est libre. Ben Arfa. Allez, t'as qu'à faire, hache ton Ben Arfa. Je sais pas où il est, mais hache ton le. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Eh oui, défaite. C'est la fin du match, à l'instant, victoire du Stade Rennais. La saison qui démarre plutôt mal hein, pour eux avec cette défaite. Ouais, défaite d'entrée, c'est jamais terrible. Il y a peut-être eu un souci dans la préparation de ce match, ou alors les joueurs ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour que ça prenne. On s'en fout de près. Je suis au Monaco là. Oh. Je veux Monaco. On va vérifier qu'on soit bien. Ultime. Voilà. C'est qu'il n'y a pas marqué, ce que je vois. Nous allons donc tenter le deuxième match contre le Monaco. Ne redémarrez pas votre ordinateur. Windows a détecté les verres informatiques coupables et ZE virus. Les infections détectées indiquent certains téléchargements récents sur l'ordinateur qui a à son tour à créer des problèmes sur l'ordinateur. Appelez le technicien certifié Microsoft au numéro gratuit figurant sur votre écran et partagez ce code B2957E. Super! Et c'est parti! Attendez, faut que je fasse charger l'ordinateur. Oui, je sais, je suis chiant. Et c'est long, ça va, je recouvre bien. Sans batterie. C'est parti.
Bonjour à tous, Arimato et Pierre-Hélène sont avec vous pour vous faire vivre ce match. Une doublette, même à la pétanque. Salut Hervé, salut à tous. Oh, il nous a fait la blague, le Hervé Bélez. Alors, allons-nous gagner notre premier match à Ligue. Le réalisateur qui vous présente la composition du compte de départ de l'AS Monaco. On va se retrouver en D2, c'est connerie. Oh, c'est bien parti, Bamba. La composition du LOSC, regardez là. Je suis accessible. Oh, ça fait le premier but. C'est donc un corner. Ah, le R2, le R2. Du gardien sur ce corner. Le R2, le R2, le R2. On va avoir un œil particulièrement attentif à la performance de ces deux joueurs. Après, on fera charger la mallette. Voilà, à mon avis, les deux joueurs étaient... Pourquoi je tente toujours de loin, moi? J'ai envie de marquer de loin aujourd'hui. Tireur qui a visé la zone du point de... Si on joue comme le premier match, c'est Monaco tranquille. Allez, c'est le centre maintenant. Imaginez, c'est un peu imaginé. Ouais, frappe. Ah, il est fou, lui. Il veut faire les frappes, de loin. David Alba. Première fois que ça me fiche ça comme ça, sérieusement. Oui, à noter que le montant de la transaction... Et j'espère que Messi est bien resté au PSG. Normalement, oui. Hein. Oh, mon joueur l'a touché. Et le tiers 2. Oh putain, oh putain. Où je vais, où je vais, où je vais. Non, hop. Oh merde. Ah là 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 là. Rien ne va plus. Monaco. Peut-être la mort. Pas qu'on marque. Contre-attaque, on va voir. Oh merde! Putain! Allez, il y a les mises! Oh, je l'ai sorti! Il a vraiment un gros coup de chance! T'as raison, je le vois souffler, le ballon a heurté le montant, mais finalement il a pu se saisir. On a fait une écrasante dernier match. Ému! Oui! Oui, lorsque qui se réveille, lorsque qui se réveille. Il a quand même fait de conneries, le défenseur. Grosse connerie, sinon je marque pas. Il a taclé, on l'a loupé. Paf, il m'a laissé tout seul. Conné. Ah non, c'est Mendes, il m'a fait pas le vendre. Fabregas. Non, arrêtez-le, arrêtez-le, monsieur l'arbitre, mais arrêtez-le, faites le wouwou de ça là. C'est un manque de concentration. Ouais, c'est stupide. Hein. On a lui deux là, on a Monaco. On laisse faire but, hein, c'est normal. Hein. C'est qui? Golovin, hein. Golovin, hein. Oh, il y a la Golovin, quoi. Ça sent bien, on est très dangereuse. Ça sent très dangereuse. Quoi? Quoi? Mais je crois que la manette, elle a décollé, là. On lui a carrément loupé le but, quoi. Ah oui, il a loupé le cadre. Il a loupé le cadre. En fait, je me suis ramené Nio et machin, je vais même pas les installer, je vais ramener chez moi. Oh putain, je sens bien la frappe. La santé là, hein. Glim. Flash info à la mi-temps.
Ouais, j'en ai un bon là. Oh, j'en ai du bon. C'est dégagé devant. Ouais, ça joue bien. Le centre. Ouais, le front évident. Au moment où j'ai lancé le tag, j'ai posé la manette, je me suis dit, c'est ça. Il faut mettre l'adversaire en danger. Sur la surface. Oh merde. Non. Ah ouais. Il a fini. Mais vas-y, laisse la passe sortir. C'est dégagé, grand soulagement du gardien. Sous la pression de l'adversaire. Oh, j'ai la pression. C'est bon, putain. Oh, je vais dire, je sais pas quoi faire. Attention! Ah merde! Juli! Appel de Juli ou Julie ou Pierre, Bernard Juli ou un truc comme ça. La bonne époque. Ouais, c'est continuer parce que c'est dégagé devant. Le gros ne cache pas le carré. C'est Fabregas. C'est Fabregas. 18 minutes et oh, y'a Marvel, le capitaine Marvel. Elle est libre, qui donne le coup d'envoi de la seconde période. Elle va récupérer le ballon et une touche. J'espère que Messi va marquer dans le match contre qui va jouer là, parce que j'aimerais bien voir s'il est encore au PSG, parce que j'ai des doutes. Vous savez s'adapter à toutes les situations avec Kenny Passa, c'est exceptionnel. Ah oui, c'est la chance pour l'éléphant. Hervé Vato, je vous invite au Marvel samedi soir. On jouera à FIFA 21. On jouera des pizzas. On boira de la Nice. De la Nice. Au bout d'un moment, il a fini par se perdre. On fait tourner, on essaie de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche, pour avoir un dégagement, sans se poser de questions. Une tacle. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Ouais, bien joué de la part de Fabregas. Allez, Charlie. On s'est planté. Ouais, il a marqué un but. Il est content, il a mangé du salami. C'est lui qui a fini l'égalisation, n'oublions pas son équipe. T'as le clé, c'est chaud. Bordeaux, ben tiens, on parlait de Bordeaux tout à l'heure. Oui, on va voir. Elle a la frappe. Le gars qui capte tranquillement ce ballon. Le ballon perdu par Fabregas. Votre avis sur le prochain match du Lost. Va rencontrer Guingamp pour cette prochaine rencontre. Oh, Pierre Ménès, tu m'as pas fait d'avoir Guingamp. Je pense qu'on peut s'attendre à une victoire facile pour eux. Pour qui? Pour moi? Je suis déjà rentré. Elle n'a pas de tête. Oh, bien joué, le gardien, il dégage. Ça va jouer la zone de vérité. On s'approche. Et on tire. Putain. Plus de bière 2 là.
La balle est engagée. C'est encore un corner. On va tenter un corner rentrant. Oh, je l'ai trop embrassé. Et qui fait ça, Pierre, c'est pas bon. Ouais, c'est super, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de chants. On le sent bien en voir les tribunes. Je vous entends pas, les Monacosiens. Encore un beau ballon. Tu as de l'ambiance de merde, ouais. Quelques minutes à jouer, tout reste possible. Encore 7 minutes à jouer. Les Monégas qui vont bientôt jeter leur dernière force dans la bataille. Maintenant, il faut les chercher de la victoire. Attends, c'est maintenant. D'après le calendrier, Monaco va affronter Bordeaux pour son prochain match. Les joueurs n'ont pas laissé tomber et finalement, ils prennent bien ce score et ne vont pas en rougir. Fabregas. Macao. Gelson. Allez, faut s'apprécier pour centrer. Cherchez le second poteau. Et la défense qui se dégage. Bien joué. Oh merde. On rentre dans le temps additionnel qui sera deux minutes seulement. Le gardien dégage le ballon. Bien joué. Alexander Golovin. Allez, corner. Attention, on va tout faire sur vous là-dessus. Ça fait cafouillette à la fin. Deux équipes qui vont donc repartir avec un petit point à chacune. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. On peut dire qu'il a fait le boulot, même si au final ça donne un score de parité. Oui, bonne prestation dans l'ensemble. C'est lui qui a gagné des rapports également. Il a... Un point en deux matchs. Et nous allons retrouver le prochain match contre Guingamp. On va voir les classements d'abord. Ah, Saint-Etienne, premier. D'accord. D'accord. Alors, Messi, y a-t-il Messi. Balotelli. Ah oui. On ne sait pas s'il y aura Lionel Messi. Bon, on va se retrouver pour là. Troisième journée, la prochaine fois.